Donc, on va commencer par se présenter, hein, vous dire un petit peu qui on est et puis ce qu'on fait. Donc, moi, je suis Christophe Lefort, je suis professeur des écoles donc dans le Doubs, en Franche-Comté. J'ai enseigné dans tous les niveaux, depuis la grande section jusqu'au CM2, toujours en multiniveau. Et j'ai fait plus de 10 ans en grande section CP, mais j'ai quand même fait jusqu'au CM2 après. Voilà, et puis, voilà, Laurent, je te laisse te présenter. Donc, voilà, moi, Laurent Jeune, donc, j'ai enseigné à tous les niveaux de l'école élémentaire, du CP au CM2, hein, donc pour ceux qui sont en Belgique, Canada, de la première à la cinquième. Voilà, donc beaucoup de multiniveaux, CE1, CE2, CM1, CM2 au début de ma carrière, beaucoup de CP, CE1, et puis ensuite du CM pour terminer. Donc, avant d'être en disponibilité pour travailler sur ce projet, bien écrire pour bien lire. Alors, en fait, ce projet, notre position, c'est de se trouver à l'interface entre les préconisations des recherches et puis la réalité de la classe, et c'est de développer donc, des outils fonctionnels qui tiennent compte de ces préconisations et donc de les intégrer dans des outils pour qu'en fait, ça soit efficace en classe. Alors, ces préconisations, je vous en cite quelques-unes qu'on va voir au long du webinaire. Par exemple, c'est la correction dans la même unité de temps, c'est-à-dire qu'on cherche à corriger tout de suite l'écrit de l'enfant pour qu'il ait une bonne mémorisation. Et on va voir que ça va impacter autant l'écriture que la lecture. Et puis, il y en a une autre que je vous expliquerai tout à l'heure, qui est la régularité de la langue. Donc, nous, le fil rouge dans ce projet-là, donc c'est l'orthographe et c'est vraiment de se dire comment on peut faire écrire l'enfant avec la bonne orthographe le plus tôt possible. Et surtout, pourquoi il faut le faire le plus tôt possible. Donc, si on parle d'orthographe, on parle d'orthographe lexicale et d'orthographe grammaticale. Donc, on va détailler les deux au long du webinaire. Ce qu'on appelle orthographe lexicale, ben, c'est l'écriture des mots tout seul, hein, comme on les trouverait dans le dictionnaire, c'est-à-dire les noms masculins singuliers, les verbes à l'infinitif, etc. C'est quand ils sont utilisés hors contexte. Et puis, l'orthographe grammaticale, ben, justement, c'est quand on utilise ces mots-là dans un contexte, eh ben, ils s'écrivent de telle ou telle manière. Alors, ça va concerner les accords en genre et en nombre dans le groupe nominal, et puis tout ce qui est conjugaison. En fait, on s'aperçoit quand on a des enfants du CP jusqu'au CE2, on va dire, mais même plus tard, quand ils arrivent à gérer les accords dans le groupe nominal plus la conjugaison, ben on s'aperçoit qu'il n'y a plus beaucoup de fautes. Donc nous, on va vous montrer comment décharger entièrement les enfants de l'orthographe lexicale, puisque quand on ne sait pas écrire un mot, ben on ne peut pas l'inventer. Alors oui, on peut travailler sur les familles de mots, tout ça, mais pour les élèves, c'est encore difficile parce qu'ils sont petits. Hein, ben donc, la recommandation de la recherche, c'est de dire, ben, quand un enfant ne sait pas écrire un mot, on lui donne autant qu'il l'écrive avec la bonne orthographe, puis qu'il la mémorise bien, plutôt que d'écrire n'importe comment, puis de mémoriser faux. Et le fait de pouvoir décharger l'enfant au niveau lexical, donc Laurent va vous le montrer avec le clavier Métallo, ça permet à l'enseignant de gagner du temps et de se donner du temps et de pouvoir être avec les élèves pour les faire réfléchir sur l'orthographe grammaticale, parce que contrairement à l'orthographe lexicale, l'orthographe grammaticale, c'est vraiment une réflexion qu'on porte en écrivant. Tu peux regarder un peu dans la discussion si tout se passe bien. Jetez un œil si tout se passe bien pour vous. Ok. Alors, la première question, c'est pourquoi écrire avec la bonne orthographe dès le départ? Alors, on va prendre un exemple. On va prendre le mot bateau. Donc, le mot bateau, il a deux formes. Il a sa forme orale et sa forme écrite. Quand je passe de la forme orale à la forme écrite, je suis dans une situation d'écriture. Et l'écriture, ça veut dire qu'on fait un encodage et qu'on respecte la norme qu'est l'orthographe. Donc, l'encodage, je passe des sons au graphème. Et en plus, il faut que je choisisse le bon graphème pour écrire le mot avec la bonne orthographe. À l'inverse, quand je passe de la forme écrite à la forme orale, je suis en situation de lecture. Donc là, ça veut dire que c'est un décodage et il faut bien sûr accéder au sens. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la mémoire de l'enfant quand on fait ça, quand on fait ce travail-là. Donc, bien sûr, la lecture et l'écriture sont liées, hein.
Si je pars du principe que je mène une séance et que j'arrive à faire écrire à l'élève le mot bateau directement avec la bonne orthographe, BATEAU. Donc déjà, premièrement, je vais faire rencontrer la norme à l'enfant, c'est-à-dire qu'il va développer une conscience orthographique assez vite en se disant, ah oui, on n'écrit pas comme on veut, il y a une façon d'écrire et il faut que j'aille chercher cette façon d'écrire. Donc, quand il va écrire ce mot-là, avec la bonne orthographe, il va le mémoriser une première fois. Alors, on ne dit pas du tout que chaque fois que l'enfant écrit un mot, il l'a mémorisé, ce serait bien sûr trop facile, mais le fait de fréquenter la bonne orthographe, plus il rencontre un mot, plus il rencontre un mot bien écrit, plus il le mémorise profondément. Donc, le but, c'est qu'il fréquente la bonne orthographe pour ancrer ces mots-là en mémoire. À partir du moment où il a ancré le mot bateau bien orthographié en mémoire, on va avoir un double effet. On va avoir un effet en production, c'est-à-dire en écriture, puisque chaque fois qu'il va devoir réécrire ce mot-là, il va pouvoir aller le chercher dans sa mémoire et il va pouvoir l'écrire avec la bonne orthographe. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est que quand il va le rencontrer dans une phrase en lisant, au lieu de passer par le déchiffrage, il va pouvoir faire une reconnaissance directe de ce mot-là, puisque ce qu'il voit correspond à ce qu'il a en mémoire. Donc c'est pour ça qu'on parle de puissance de l'écriture, parce que quand on apprend à écrire avec la bonne orthographe, donc non seulement on écrit bien, mais en plus on travaille au service de la lecture, puisqu'on va pouvoir augmenter l'affluence en lecture, parce que les mots bien mémorisés, ils vont être reconnus plus directement, donc on augmente l'affluence. En fait, là, on travaille aussi sur un lecteur expert comme nous, par exemple. On est multitâche et on est capable de traiter, de se poser les questions sur l'orthographe des mots en même temps que la lecture. Un enfant, c'est pas du tout dans ce cas-là. Lui, en fait, il va être concentré dans la lecture sur le sens. Et par contre, c'est pendant les séances d'écriture qu'on va travailler sur le fonctionnement de la langue. Donc, on les dissocie pour les réassocier ensuite et avoir cet impact positif dont Christophe vous a parlé. Donc, si je multiplie les séances, en tout cas les séances, oui, où l'enfant écrit avec la bonne orthographe, le nombre de mots bien orthographiés qu'il va mémoriser va augmenter au fur et à mesure de son cursus scolaire. Et donc, ce double effet va s'appliquer sur de plus en plus de mots. Donc, on aura cet effet en écriture et cet effet positif en lecture. Maintenant, si je prends l'inverse, si je laisse l'élève écrire en phonétique, ce que nous, on a fait, en tout cas, moi, j'ai fait ça dans ma classe au début que j'avais des CP, j'étais déjà très content quand ils écrivaient en phonétique. On voit bien, ils écrivent, il n'y a pas l'orthographe, mais on arrive à comprendre ce qu'ils écrivent. Si on fait ça, le problème, c'est qu'on va les laisser mémoriser cette écriture phonétique. Donc, elle va s'ancrer dans leur mémoire. Et quand ils vont devoir réécrire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller rechercher en mémoire cette orthographe. Donc, ils vont continuer à écrire en phonétique. Donc, on n'atteindra pas l'orthographe. Et quand ils vont être en lecture, les mots qu'ils vont rencontrer dans les phrases ne correspondront pas à ce qu'ils ont en mémoire. Donc, ils ne pourront pas avoir cette reconnaissance directe. Donc, on va les maintenir dans le déchiffrage laborieux et on va avoir du mal à développer l'affluence. Il y a aussi les recherches qui ont montré que par rapport à la mémorisation d'un mot, un mot, plus il est mémorisé depuis longtemps, plus il est difficile à déloger. Vous avez tous des mots comme ça. Nous, on a des mots qu'on a toujours un doute dessus. Et donc, on va le chercher et puis on le réécrit. On dit maintenant, je saurai. Et puis, si on n'a pas à s'en servir pendant peut-être 1 ou 2 mois, on revient au bout de 2 mois et dit non, je ne sais toujours pas l'écrire. Ça, c'est un mot qui est mal mémorisé. Et on sait bien que quand on fait apprendre même des listes de mots aux élèves, le jour où on fait le contrôle, oui, ça se passe bien. Par contre, si on revient 2 mois après, les mots, ils sont partis. Donc, c'est vraiment de dire, faut qu'on arrive à mémoriser le plus possible de bons patrons pour que l'enfant ait ça en mémoire. Donc, c'est d'arriver au modèle de droite sur l'image. Donc, on ne fait pas du 100%, bien sûr, mais c'est de mener des activités qui permettent à l'enfant continuellement de fréquenter la bonne orthographe pour la mémoriser. Donc, ça, c'est le pourquoi il faut écrire avec la bonne orthographe. Donc, maintenant, le comment on peut faire, parce que ce n'est pas facile quand on est dans sa classe et qu'on fait écrire tous les élèves. Donc, nous, on a développé cet outil-là, le clavier Métallo, dont Laurent va vous parler. Donc, je ne sais pas si tu as déjà ici ou pas. Si, là. Donc, attends, je vais faire le partage. Donc, je vais laisser la main à Laurent. Oui, pardon pour le téléphone. Voilà. Donc là, on est sur le site métallo.fr. Je ne sais
Donc là, je vais vous parler du clavier. Donc l'intérêt, c'est de faire donc écrire les élèves dès le départ avec la bonne orthographe. Pour donc capitaliser, mémoriser convenablement, s'en servir tant en lecture, tant en écriture qu'en lecture. Après, on peut utiliser différents outils. Nous, on vous montre la solution qu'on a développée, hein, qui vient du terrain, parce qu'on avait rencontré cette problématique de classe qu'on avait identifiée. Donc, on a développé cet outil pour justement essayer de répondre à cette problématique. Comment faire écrire les élèves avec la bonne orthographe le plus tôt possible. Donc, je vous montre le clavier. Alors, le clavier Métallo, on a une version hors ligne qui se télécharge dans les stores, sous iOS, sous Android. Et puis, vous avez une version en ligne. Donc, ça, c'est sur ordinateur. Donc, quand vous êtes sur ordinateur, vous allez sur notre site. Si vous vous êtes créé un compte, vous allez ici dans mon espace. Si vous n'avez pas encore de compte, vous créez un compte. Et puis, dans la rubrique qui est « Mon compte » avant d'être connecté. Et ensuite, vous accédez à votre espace. Et dans votre espace, vous allez avoir ici « Accéder au clavier ». Donc, on accède au clavier. Voilà. Donc ici, on a le clavier Métallo 1. Lui, il contient 7000 mots et il est destiné aux élèves plutôt dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en CPCE1, c'est-à-dire première, deuxième année pour la Belgique et le Canada. Et puis, on a un clavier Métallo 2. Alors, pour basculer, c'est simple. On vient cliquer ici, on passe au clavier Métallo 2. Celui-ci, par contre, lui, il contient 18000 mots. Et donc, il est plutôt destiné aux élèves à partir du fin de CE1, donc à partir de la deuxième année d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. En fait, la différence entre les deux, on dit que c'est au CE1 que ça change, mais ça, c'est ce qu'on a observé. En fait, si vous voulez, comme il y a 7000 mots dans le premier, à un moment donné, il y a des élèves qui ne trouvent plus leurs mots parce qu'ils n'y sont pas, donc ils basculent sur le deuxième. Donc, on dit CE1, mais ce n'est pas forcément comme ça. Ça se fait naturellement pour les élèves, quoi. Le but, il y a une première version pour que les élèves qui sont jeunes et qui n'ont pas besoin de tout le vocabulaire ne soient pas perdus dans des grandes listes de mots. Ils ont justement moins de mots pour mieux s'y retrouver. Voilà. Donc ici, c'est un clavier avec une entrée phonétique. On a répertorié les sons de la langue française, lit, lip, lis, lif. Mais par exemple, ici, on a tous les f. Et ainsi de suite. Et en bas, vous allez avoir donc des touches doubles avec des sons qui sont très proches. Les e, e, les o, o, les e, e, les 1, 1, etc. Alors, ça, en fait, on s'est aperçu, l'outil a été testé auprès de 2500 élèves et puis avec le retour des collègues enseignants, on a amélioré l'outil. Donc, on s'est rendu compte que les prononciations régionales font qu'on ne prononce pas un vélo de la même manière dans le sud de la France, dans le nord ou chez nous, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a réuni ces sons très proches sur des mêmes touches. Mais il faut bien avoir à l'esprit que l'enfant, ici, il va encoder des sons. Il n'est pas en train d'écrire un mot, il encode des sons. Donc, pour chercher un mot, c'est simple, j'encode des sons. Si je cherche le mot voiture, je vais faire V, voix, voite. Là, je le fais comme un enfant le ferait pour écrire son mot. Mais je vais trouver le mot voiture. Alors, si je veux l'écrire, là, je vous donne une petite astuce, parce que ça, c'est fait partie aussi des tests. On s'est aperçu que si on laisse la page de résultats devant l'enfant, il a tendance à faire un recopiage lettre à lettre. Et c'est quelque chose qui est vraiment à éviter. Donc, ce qu'on conseille, nous, c'est de revenir au clavier de départ et puis maintenant de l'écrire. Et ça, la mémorisation, ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe. Maintenant, si je cherche un mot plus compliqué, comme spaghetti, je vais faire sp, spa. Je vais trouver mon spaghetti. Si je prends le mot orchestre, qui est très difficile à trouver pour un enfant, par exemple, orque. Voilà, je vais trouver mon orchestre. Tous les mots sont accessibles à cette vitesse-là. Je rappelle, le clavier Métallo, c'est un outil, c'est fait pour aller écrire les mots et écrire les mots avec la bonne orthographe. Donc, si on a des prononciations un peu particulières dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, si je cherche le mot cheval, alors je vais avoir cheval. Donc, j'ai bien trouvé mon mot cheval. Mais par exemple, dans notre région à nous, les,
on ne dit pas un cheval, mais on dit plutôt un cheval. Donc, si j'encode cheval, je vais trouver le cheval. J'admets quelqu'un en même temps. D'accord? Le but étant que l'enfant soit autonome dans la recherche de l'orthographe. Alors, si par exemple, on prend le mot chewing-gum, donc on va pouvoir le trouver par exemple à chewing-gum. Le voici. Mais il peut être prononcé aussi chewing-gum. Je vais trouver son orthographe. Il y a certaines personnes qui le prononcent chewing-gum, etc. Alors après, si un élève fait une erreur, s'il écrit par exemple le mot gâteau, et qu'il commence à écrire gâteau comme ceci. Alors là, c'est un cas de clic. Donc, il va arriver sur cette page, il ne va pas trouver son mot. À ce moment-là, il va vous appeler, vous allez lui demander « Montre-moi comment tu as fait. » Donc là, il va commencer à encoder le mot. C'est là que vous allez intervenir en lui disant « Attention là, tu n'es pas en train d'écrire le mot « gâteau », tu es en train d'écrire le mot « cato ». Donc ça va permettre à l'élève de se réguler automatiquement. Et on s'aperçoit avec… parce qu'en fait… on a fait évaluer la méthode par un chercheur en sciences du langage qui s'appelle Patrice Gourdet, qui intervient dans beaucoup de circonscriptions en France. Et on s'est aperçu qu'en fait, sur l'évaluation, les élèves qui écrivaient de manière graphophonétique en fin de CE1 sur l'évaluation IFE, alors l'évaluation IFE, c'est la plus grosse étude sur le lyrique en France entre 2013 et 2015, et de cette étude est sortie des grandes préconisations dont on tient compte dans nos outils, comme le clavier ou la méthode de lecture. Et en fait, sur cette évaluation, ils ont mesuré que les élèves en fin de CE1, dans l'étude IFE, arrivent à une écriture graphophonétique, c'est de l'ordre de 86%, je crois. Et sur la même évaluation, nous, avec les élèves qui utilisent le clavier Métallo et la méthode de lecture, on est à 96%, mais en fin de CP. Un an avant. Le brassage de manière régulière de ces graphèmes et l'utilisation du clavier et d'écrire avec la bonne orthographe fait qu'on a un rendement qui est vraiment très intéressant. Tout à l'heure, Laurent, il a parlé de la correction dans la même unité de temps. Donc là, on y est. Si par exemple, l'enfant doit écrire le mot gâteau, mais que lui, il confond le que et le gue, puis qu'il écrit gâteau, en fait, si on le fait écrire sur son cahier comme ça, il va poser son cahier. Donc, nous, en tant qu'enseignants, quand on va corriger, ben, on va dire, bon, alors là, il y a une faute, on voit bien la faute. Sauf que lui, il est parti avec son cato. Donc, il est en train de mémoriser cato. Donc, une fois de plus dans sa mémoire. Alors qu'ici, quand il va faire sa recherche et qu'il ne va pas trouver le mot, donc il va nous appeler, il va dire, je ne trouve pas gâteau. Non, on identifie l'erreur et à ce moment-là, on peut lui dire, donc ce qu'a dit Laurent, tu es en train d'écrire cato alors que tu veux écrire gâteau. Donc après, l'aider à trouver le premier son, et en faisant ça, ben, il est en train de corriger sa confusion entre les deux. Et c'est vrai ce que dit Laurent, en fait, au bout de 3-4 mots qu'il va chercher, ben, le que-gue va se poser, et après il va dire, ah oui, j'entends gue, j'entends que. Pourquoi? Parce qu'on le fait dans la même unité de temps que ce qu'il est en train de produire, et c'est là que c'est important. Et c'est pour ça que les résultats en phonétique, ils sont bons avec l'utilisation du clavier, c'est parce qu'en temps réel, on pointe l'erreur et on donne la bonne réponse. Et vous allez régler les feveux, les peubeux, etc. Alors, petite astuce, je vous montre. Ici, vous avez une touche qui est vide, mais qui va se remplir en fonction du mot que vous allez chercher. Je m'explique. Si vous cherchez un mot avec un encodage court, par exemple comme le mot loup, loup, voilà, j'ai fini d'encoder. Ça veut dire que j'ai une page de résultats qui est disponible et je peux venir dessus pour trouver l'orthographe de mon mot. La même manière, si on cherchait le mois d'août, ou qui est prononcé ou août, août, donc je peux venir ici, le mois d'août, et puis je vais pouvoir arriver à ma page de résultats. Voilà. Donc ça, c'est le clavier Métallo 2, là, je vous ai montré sur le deuxième niveau. On est sur un clavier qui est en multigraphie.
Par contre, sur le clavier Métallo 1, on est sur un clavier qui est en monographie, on va dire. Alors ici, on travaille, c'est une des préconisations sur lesquelles on s'est appuyé. C'est donc le clavier qui présente la régularité de la langue. C'est-à-dire que quand on est en apprentissage de la lecture, pour pas embrouiller les enfants, on va présenter la graphie la plus courante de chaque son. Donc par exemple, le i, dans 99% des cas, s'écrit avec un i et dans 1% des cas avec un y. Donc on ne va pas embrouiller les élèves qui sont en apprentissage de la lecture et de l'écriture. On présente cette régularité. De la même manière, le ze, il est présenté ici. Le ze, pardon, avec le s ou le z, désolé. On le présente ici comme ça parce que dans 90% des cas, le son s'écrit avec la lettre S. Donc si on les fait déjà écrire comme ça, il y a beaucoup plus de chances qu'ils écrivent avec la bonne orthographe. Alors le principe ici, il est évidemment identique. Si je cherche n'importe quel mot, ben, un chat par exemple, j'encode toujours mes sons, sauf que c'est plus simple pour ceux qui sont en apprentissage. Donc je vais trouver l'orthographe de mon mot. Donc là, on vient de vous montrer comment on va enlever la totalité de l'orthographe lexicale. Alors, maintenant, il y a deux écoles sur l'utilisation du clavier. Il y a ceux qui travaillent en amont et il y a ceux qui travaillent en aval. Je m'explique. On garde bien en tête la préconisation de correction dans la même unité de temps. Donc maintenant, soit je donne l'orthographe du mot en amont, l'enfant vient de chercher sur le clavier, c'est la première possibilité. Donc là, par exemple, s'il cherche le mot fourmi, ben, il va faire fou, four, pom, et il va trouver l'orthographe de son mot. Donc, il va le chercher au moment où il en a besoin. Voilà, la deuxième école, c'est je laisse l'enfant écrire, mais par contre, je dois corriger dans la même unité de temps, c'est-à-dire juste en même temps dans la séance, avant qu'il s'en aille ou avant qu'il ferme son cahier. C'est-à-dire qu'il essaie d'écrire fourmi et il va maintenant le vérifier avec l'appli, avec le clavier, et il apporte la correction si nécessaire. Ça, c'est extrêmement important. Quand le cahier est fermé, l'écrit doit être normé pour justement, comme vous l'a expliqué Christophe tout à l'heure, capitaliser sur cette mémorisation et que ça soit bénéfique au niveau de l'écriture et de la lecture par la suite. Parce qu'en fait, l'enfant, quand il mémorise convenablement, il accède à ce qu'on appelle une reconnaissance directe en lecture. Donc là, maintenant, je vous ai montré comment on traite la totalité de l'orthographe lexicale. Je vais vous montrer comment on traite en partie l'orthographe grammaticale. Alors, si un enfant vous demande comment on écrit le mot montagne, ben souvent on va lui dire MONTAGNE. Ben non. Le mot montagne, en fait, il peut avoir une écriture différente en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Donc, il peut s'écrire sans S dans l'utilisation au singulier ou avec un S dans une utilisation au pluriel. Et maintenant, là, c'est à l'enfant d'avoir une réflexion par rapport à son écrit et savoir en fait lequel il va utiliser. Donc, ici, on va présenter des sortes de cartes mentales, parce que quand on parle à un enfant de pluriel d'un nom, ben pour lui, c'est extrêmement abstrait, hein, puis c'est tout à fait compréhensible. De quoi on parle là? Pluriel d'un nom ou pluriel d'un verbe? Donc nous, on présente en fait ici des cartes mentales qui vont permettre à l'élève de rendre moins abstraite cette notion de pluriel. Et ça, on le fait pour les noms et on le fait aussi pour les verbes. Sur le clavier Métallo 1. Donc c'est à lui de choisir s'il écrit au singulier ou au pluriel. Et ça, en fait, c'est pareil, ça a été mesuré dans la méthode par rapport à l'étude de l'IFE dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur l'étude de l'IFE, où c'était des élèves qui avaient plutôt un niveau supérieur à la moyenne française, hein, parce que les enseignants se sont proposés pour faire partie de cette étude qui concernait 2500 élèves et 130 classes. Le taux de réussite sur les marques du pluriel, c'est 17% en fin de CP. Ceux qui utilisent le clavier et la méthode, on arrive à un résultat de 51%. Alors pourquoi? Parce qu'en présentant ces étiquettes, en fait, on fait depuis le départ, depuis le début de l'écriture, on fait baigner les élèves dans l'orthographe, dans la bonne orthographe.
Et ça, en fait, ça va vraiment impacter ensuite leur, comment dire, leur réaction par rapport à l'orthographe. Ils vont comprendre que l'orthographe, c'est une norme. Ils viennent chercher l'orthographe lexicale des mots dessus, sur le clavier métallo. Et ensuite, ils vont accéder à une conscience orthographique, puisque c'est eux qui vont commencer à comprendre qu'on doit réfléchir pour poser des accords. En fait, quand on a des élèves, bon, le CP c'est particulier, mais après, quand on a des élèves en CE1, CE2, etc., en tant qu'enseignant, des fois on se dit, mais bon sang, ils mettent jamais les S au pluriel, voilà. Mais si on regarde comment on leur a appris, c'est sûr que si au départ on ne leur a parlé que du singulier, en fait on les enferme dans le singulier et après c'est comme s'il fallait déconstruire ça pour leur dire, attendez, maintenant je vous explique, en fait quand il y en a plusieurs, ben, on met en général, on met un S, c'est la règle générale, etc. Alors que si on présente les deux formes au départ, on ouvre les enfants à ces deux formes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les maîtriser tout de suite, mais en tout cas, ils sont ouverts depuis le départ et ils savent qu'il y a ce possible-là. Et on s'aperçoit donc, on le voit en mesurant, qu'en fin de CP, on a la moitié des élèves qui arrivent à gérer cette marque-là, alors que quand on ne les a pas ouverts depuis le départ, ben, on n'en a que 17%. Donc voilà pourquoi on fait ça. Donc c'est quelque chose qui est possible, il n'y a aucun problème, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est un niveau trop haut par rapport aux élèves en apprentissage de l'écriture. Je voulais dire un truc, puis je l'ai perdu. Donc sur le clavier Métallo 2, en fait, ici, si je reprends le mot montagne, bien en fait, on ne va pas présenter le pluriel du nom lorsque c'est un pluriel qui est régulier. Parce que ça fait 2 ans avec le clavier Métallo 1 qu'il fréquente cette orthographe, qu'il fréquente le pluriel des noms. Maintenant, ils doivent appliquer la règle. Alors, bien sûr, ils peuvent toujours revenir, si vraiment c'est un élève qui est un peu en difficulté, sur le clavier Métallo 1 pour aller vérifier ces deux possibilités d'orthographe. Et puis, il se peut aussi qu'un élève, quand il passe du 1 au 2, en fait, il oublie un peu le S pendant un temps parce qu'il n'est pas écrit. Mais comme on corrige dans la même unité de temps et qu'on lui rappelle, eh ben, ça va revenir très vite. Et après, ça devient un réflexe chez lui. Il n'est plus obligé d'avoir les deux formes sous les yeux. C'est une règle, il doit la connaître et l'appliquer. Oui, ce que je voulais dire juste avant, en fait, si on regarde bien, quand les élèves, par expérience, hein, ce qu'on a observé, quand on a les élèves qui arrivent en CP, ben, on commence à leur apprendre à lire, à écrire. Eux, ils écrivent de manière graphophonétique, ça ne leur pose pas de problème, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et puis on s'aperçoit quand on arrive vers la fin de CP, début de CE1, on va commencer à poser des règles, des normes par rapport à l'orthographe. Puis on s'aperçoit de quoi? Ben, les élèves qui écrivaient beaucoup avant, ça ne les gênait pas du tout d'écrire de manière graphophonétique. Il y avait une belle créativité, ben, cette créativité, elle va tendre à disparaître parce qu'en fait, la barrière de l'orthographe va les empêcher d'écrire et ben, va les mettre en position d'insécurité par rapport à l'écrit. Ici, vraiment, on va sécuriser cet environnement pour qu'ils soient capables vraiment d'écrire avec la bonne orthographe et garder cette créativité, toujours l'envie d'écrire. Donc, ça sur le clavier Métallo 2, au niveau donc de l'orthographe grammaticale, on n'indique pas le pluriel des noms lorsqu'il est régulier. Par contre, lorsqu'il est irrégulier, on va l'indiquer. Donc, on va indiquer le pluriel des noms en E, en OU, lorsque c'est un X, en O, etc. Par contre, si c'est quelque chose qui est régulier, si je prends un clou, on ne va pas l'indiquer. Par Donc, contre, pour un chou, on va l'indiquer. l'enfant sait que s'il n'y a rien en dessous, ben, il sait qu'il doit mettre un S, c'est la règle. Et si jamais ce n'est pas la règle qui s'applique, ben, on lui donne la réponse. Voilà. Alors ça concerne donc tous les noms dont j'ai parlé, plus les noms composés qui sont extrêmement compliqués au niveau des pluriels. Et puis vous allez voir au niveau grammatical, alors là, si on est sur des élèves un peu plus haut dans l'âge. Alors déjà, nouvelle préconisation ministérielle, vous voyez qu'on est passé à la nouvelle orthographe, donc les accents circonflexes ont disparu. Mais le but, j'ai envie de dire, c'est que l'élève, il écrive avec la bonne orthographe, quelle qu'elle soit. Hein. Par exemple, si on prend le mot-clé, si on prend le mot-clé, je vais revenir là juste après. Quand l'élève, il écrit le mot-clé, lui, ce qui l'intéresse, c'est de l'écrire juste. Donc, on présente, on s'est posé la question, hein, et puis on l'a évoqué avec les collègues et tout. En fait, le but, c'est qu'il écrive juste. Dire qu'il y a deux écritures possibles, ben là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est autre dans la classe et qui peut être présenté par l'enseignant.
Mais le but, c'est d'écrire avec la bonne orthographe et d'avoir sa bonne orthographe. Donc, je vais prendre le mot brûlé. Donc, les noms, vous allez voir qu'ils sont sur des étiquettes vertes, les adjectifs sur des étiquettes jaunes, les invariables sur des étiquettes bleues et les verbes sur des étiquettes rouges. Et si je double-clique sur le verbe, vous cliquez quand on est sur tablette, donc vous allez voir qu'on a les temps utilisés à l'école élémentaire, le présent, le futur, l'imparfait, le passé composé. Alors, on n'a mis que les temps utilisés à l'école élémentaire, hein, pour pas qu'on se retrouve comme dans le Becherel avec des tableaux dans tous les sens. Attendez, je regarde juste un truc, parce que je vois des messages qui arrivent. Ok, non, mais que ce ne soit pas qu'il y a un problème de son. Oui, j'avais pas. Ouais, c'est ça que je regarde de temps en temps. Le passé composé, et ici on va rappeler l'étiquette de l'adjectif en expliquant qu'on peut avoir des accords. C'est pour ça qu'on a cette concordance jaune-jaune. Le plus que parfait, le participe passé. Et là, je vais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on est avec des élèves qui ont 8-10 ans en CM et qu'on leur parle d'accord de participe passé, bah pour eux, c'est une nébuleuse, hein, ils ne comprennent absolument rien. Et d'ailleurs, c'est tout à fait entendable. Donc ici, on va présenter une nouvelle carte mentale, avec le champ des possibles. Et ça, à force de fréquenter cette carte mentale, ça va vraiment leur donner cette conscience, savoir qu'on a des accords qui sont possibles. C'est quelque chose qu'ils sont capables de visionner par la suite. Donc, vous avez aussi l'impératif, le conditionnel et, quand c'est possible, la forme pronominale du verbe. Voilà. Alors là, on vous a montré donc le fonctionnement de l'appli. Alors, on va faire un petit jeu là. Deux secondes. Je vais vous mettre dans la situation d'un élève. Alors, je vais vous donner un mot. Évidemment, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui savent l'écrire, hein. Mais il y en a d'autres qui ne savent certainement pas l'écrire. Donc, vous prenez un petit crayon ou essayez de l'écrire dans votre tête. Et puis, je vous laisse 10 secondes et puis après, on regarde. Donc, le mot, c'est solilès. C'est un morceau dans le poulet. Solilès. Je vous laisse écrire. Mais vous n'avez pas le droit d'écrire dans la discussion, hein, s'il vous plaît. Et puis, pas vos téléphones, merci. Alors, on a fait des tests, nous, avec des adultes qui ne savaient pas l'écrire. S'ils prennent un dictionnaire, ils ne le trouvent pas. D'ailleurs, ça les énerve fortement. Donc ici, ben, l'élève, s'il cherche le mot « solides », ben, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il encode toujours des sons. Hein. « So »,« sol »,« soli ». Alors là, c'est un simple clic. Il y en a quelques cas rares. « Solil », et voilà le mot. Alors, je vous explique, pour ceux qui ne savent pas l'écrire, d'où ça vient. Ces deux petits morceaux sur le dos ovale, sur le dos du poulet, et en fait c'est les meilleurs morceaux du poulet, et le sol le laisse, donc c'est pour ça que ça s'appelle solilès. Alors maintenant vous l'avez vu ce mot là, je pense que demain vous saurez l'écrire, et puis dans une dizaine de jours vous direz ah oui, ça s'écrit comme ça. Ben en France c'est exactement ça, sauf que c'est pas pour un mot, c'est pour des centaines. Donc, en fréquentant vraiment cette orthographe de manière régulière, ben, ils la mémorisent et ensuite, ils peuvent la réutiliser. Et si on vous avait fait écrire ce mot-là, par exemple, enfin, nous, on en a d'autres qu'on ne savait pas écrire, mais je veux dire, quand il y a un mot qu'on ne sait pas écrire, si on fait simplement son essai d'écriture et puis qu'on ne vient pas à la correction derrière, ben, on le mémorise comme ça et la prochaine fois, on l'écrira de la même manière. C'est pour ça que c'est très important que pendant la production, on vienne tout de suite à montrer la bonne orthographe pour que ce soit celle-là qui soit mémorisée. Alors, maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité avancée. Mais ce que nous, on conseille, hein, c'est de fonctionner déjà comme ça. Puis quand vous avez fonctionné un petit mois, deux mois comme ça, ben, c'est d'aller jeter un œil sur la personnalisation. Alors, pour personnaliser le clavier, on a deux possibilités. On peut passer par là et venir personnaliser directement. Ou on peut personnaliser par ici, avec mon espace. Et puis ici, je vais avoir une carte personnalisée. Attention, si vous utilisez des tablettes, il faut personnaliser en ligne. Donc, vous personnalisez en ligne. Vous remettez à jour sur les tablettes. Oui, mais c'est pas clair ce que tu dis. En fait, vous ne pouvez pas personnaliser dans l'appli. Voilà. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'appli, ben, dans les tests, on a des élèves en fait, qui s'amusaient à aller dans la personnalisation puis qui déréglaient tout. Donc, en fait, depuis l'appli, ce n'est pas accessible. Il faut que vous alliez sur le site Internet. Sur votre compte. Vous allez dans mon espace.
Et puis, vous pouvez personnaliser. Ou alors, quand vous êtes sur ordinateur avec les trois petits traits sur la droite, en haut à droite, vous pouvez aussi accéder à la personnalisation, mais pas depuis l'appli. Et une fois que vous aurez fait ça, ce que va faire Laurent, ben, quand vous travaillez sur ordinateur, ça se fait automatiquement. Tous les ordinateurs connectés avec le même identifiant mot de passe sont mis à jour. Pour l'appli, ben, il faut juste l'éteindre, la redémarrer un coup avec une connexion, et puis tout se met automatiquement à jour aussi. Alors, on peut personnaliser le clavier Metal 1 ou le clavier Metal 2. On va venir sur le 1. Donc, pas de panique. Si vous vous trompez, si vous avez peur d'avoir fait un peu n'importe quoi, vous réinitialisez, vous enregistrez et vous revenez à zéro. Donc, c'est simple. Donc, maintenant, je peux aller un peu personnaliser, par exemple, le clavier. Je peux changer les couleurs. Alors, nous, on a mis un clavier métallo 1 jaune et puis le clavier métallo 2 aubergine, ben, c'est nos couleurs. Mais ça va surtout permettre à l'enfant de savoir sur quel clavier il est, sur quelle base il est. Donc, s'il est en CP et qu'il se retrouve sur l'aubergine, ben, en fait, ça ne lui correspond pas normalement. Donc, il sait qu'il doit être plutôt sur le clavier jaune. Donc, on peut modifier ses couleurs. On va pouvoir aussi modifier les claviers. Donc, on peut passer sur le clavier Metallo 2, qui présente les différentes graphies d'un même son. On pourrait, par exemple, avoir celui-ci, si on a des primo arrivants. Alors, ce n'est pas l'alphabet phonétique international, hein. C'est parce que le U en API, c'est OU, le N, c'est NI. C'est quelque chose qui est quand même plus facile à appréhender. Et puis, on va même plus loin ici. Donc, je vais juste réinitialiser pour revenir à mon... Voilà. On peut même, sur le clavier... Alors ça, c'est des éléments que vous avez trouvés dans la méthode de lecture, hein, comme les illustrations, c'est les affichages de la méthode de lecture. Si on est en train d'apprendre que le son feu, ça s'écrit avec un PH, avec deux F, je peux venir ici, choisir ma touche et faire évoluer le clavier avec l'évolution de ma classe. Alors, on va garder celui-ci, par exemple. Je vais l'enregistrer. Je peux venir aussi donc maintenant paramétrer les pages de résultats. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre les noms sur des étiquettes de la couleur que je veux par rapport si dans ma classe je fais souligner les noms en bleu, ben je peux les mettre en bleu, etc. Alors je ne vais pas le faire ici parce qu'après j'oublie toujours de revenir à zéro. On peut aussi changer le type d'écriture, passer en écriture cursive. Ou même en écriture capitale, quand on est avec des grandes sections de maternelle, ou qu'on fait des mots croisés avec des cycles 3, parce que souvent on s'aperçoit qu'en cycle 3, l'écriture bâton, ils l'ont perdu. Donc je vais revenir en script, moi, pour mon cas. Et puis, vous allez aussi pouvoir personnaliser le conjugal. Donc ici, vous allez pouvoir activer ou désactiver le conjugal. Donc ça, sur le clavier métallo 1, c'est intéressant parce que des élèves, au départ, ben, ils n'ont pas forcément, en début de CP, d'intérêt à aller sur le conjugal. Par contre, si on est en fin de CP et puis qu'on leur demande de raconter un peu leur journée, ben, on peut l'activer et puis on peut aller personnaliser les temps, choisir ceux qu'on laisse apparaître. Le but étant d'avoir l'information le plus rapidement possible, comme vous quand vous cherchez une information sur votre téléphone. L'intérêt, c'est d'avoir une information qui est triée à la base. Donc, on peut garder, par exemple, uniquement le présent. Je vais valider. Et puis, on peut même aller plus loin. Si on demande aux élèves de raconter ce qu'ils ont fait ce matin, ben, ils vont parler avec le pronom « je ». Donc, on va décocher les autres. Je me lève, je déjeune. Donc, vous voyez que les autres vont apparaître en débrillance. Et je vais enregistrer. Et maintenant, je peux retourner au clavier pour aller voir ce qui se passe. Vous voyez bien que ma touche a bien été prise en compte. Et si je prends donc un verbe, rouler, si je clique dessus, vous allez voir qu'on présente uniquement le présent comme on l'a demandé, avec le pronom « je » pour la conjugaison. Voilà, donc là on vous a montré les fonctionnalités avancées. Ce n'est pas une obligation, on vous conseille déjà de fonctionner un petit peu avec le clavier de départ au début. Alors, je vais vous montrer deux petites vidéos d'utilisation. Je ne sais pas si je vais l'avoir sur mon... Si, ben, ils y sont.
Oui, alors ça, c'est la vidéo qu'on a. Je peux peut-être stopper. Donc, voilà. Donc, je vous explique en vitesse avant. Donc, c'est les vidéos qui étaient dans les tests. D'accord. Et puis là, on est sur une activité de lecture. Donc, élève de CE1, l'intérêt, ça va être qu'il soit autonome, parce qu'en fait, le clavier, ça va vraiment permettre une grande autonomie, vous allez le voir. Donc là, par contre, on va se retrouver avec cette fameuse erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec un recopiage de l'écran. En fait, là, vraiment, on conseille de revenir au clavier pour mémoriser, hein, parce qu'on peut avoir un recopiage lettre à lettre. Alors vous voyez que l'intérêt ici, ben on va arriver à la fin de la séance avec ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, un écrit normé. Et donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Ben, c'est bénéfique pour l'enfant qui adore écrire. Puis c'est bénéfique pour l'enseignant parce qu'en fait, il n'a quasiment pas de correction derrière. Et puis, vous voyez, on nous a déjà posé la question, oui, mais le fait de... On voit la gamine là, qui est en train d'écrire, donc c'est facile pour elle, elle a accès à l'orthographe. Et il y a des enseignants qui nous ont posé la question, oui, mais est-ce qu'ils ne deviennent pas dépendants de ça, justement? Ben non, c'est l'inverse qu'on observe. Quand on a utilisé le clavier CP, CE1, CE2, etc., ben quand ils arrivent en CM, eh ben ils commencent à se détacher du clavier. Alors déjà, les bons élèves, eux, ils vont plutôt sur des dictionnaires classiques, ou voilà. Puis ceux qui sont un peu plus dans le dur, ils préfèrent rester sur le clavier. Mais en fait, ils ne vont sur le clavier que quand ils en ont besoin. Et le fait d'avoir fréquenté la bonne orthographe, ils ont déjà un grand capital de mots qu'ils savent écrire, donc ils y vont de moins en moins souvent. Donc, ce n'est pas du tout une dépendance qui se crée, c'est plutôt l'inverse. Au bout d'un moment, l'enfant n'y va quasiment plus parce qu'il n'en a plus besoin. En fait, le clavier Métallos, c'est boucher un trou. Hein. Un dictionnaire, ce n'est pas adapté. Google, ce n'est pas adapté non plus. Parce que si vous écrivez canapé avec un K sur Google, vous allez le trouver parce que c'est un modèle chez IKEA ou je ne sais qui. Donc, l'enfant, lui, il n'est pas capable de traiter cette information. On vous montre une deuxième vidéo. Donc là, on est plutôt sur du cycle, on est sur un CE2. Où ça a été travaillé sur, pour légender le corps humain. Donc, il y a une séance d'oral qui est vraiment intéressante avant, où on parle des articulations et des os du corps humain. Et puis ensuite, on va laisser l'élève travailler. On a toujours la même erreur ici. C'était le proto. Donc, avec l'enfant qui recopie avec le clavier devant lui. Le plus gros os du corps. Ça dit quoi, la figure? Voilà, donc vous avez vu, c'est pareil, hein. C'est écrit, c'est normé à la fin de la séance.